Salut tout le monde, c'est Simon 5090. On se retrouve aujourd'hui pour le réel épisode 4 de ma série sur Factorio. Donc je dis réel épisode 4 parce que dans l'épisode 3, j'avais dit compter à l'épisode 4, sauf compter dans l'épisode 3. Enfin bref. Dans cet épisode, qu'allons-nous faire les amis? Nous allons bien évidemment continuer les recherches. Nous allons essayer de conforter notre sécurité, donc 2 c'est bien mais c'est pas forcément le top, donc on va essayer de faire ça dans cet épisode. Qu'est-ce qu'on va faire aussi les amis? Eh ben ce sera déjà pas mal. On essaiera un peu de... aussi de... comment dire... de stabiliser un peu notre électricité, parce que vous voyez, on commence à être juste. Donc, on a des choses à faire dans cet épisode, les amis. Pourquoi je fais toujours les trucs assez cubes, ça. Donc, les amis, vous voyez que j'ai lancé ici la recherche automatisation. Donc, la recherche automatisation, c'est celle-ci. Qui va nous permettre de faire automatisation 2. Qui va nous permettre de faire... qui va nous permettre de faire un truc comme ça. Attendez, qui va nous permettre ça, tu vois, vous voyez, là j'ai, non c'est pas ça, attendez, qu'est-ce que j'ai eu, voilà, ça va nous permettre, excusez-moi, ça va nous permettre, donc, automatisation va nous permettre de faire électronique, qui lui-même va nous permettre de faire balistique, sauf qu'il ne faut pas ça, il faut aussi, il nous faut aussi explosif, et donc pour ça il faut faire la chimie, donc vous voyez que ça demande 40 potions rouges, 40 potions vertes. Donc je peux vous dire qu'il va falloir beaucoup de ressources. Et il faut aussi l'incendie. Et donc ça requiert également la chimie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de recherches. Oh, ça m'énerve. J'essaye tout le temps de me diriger avec les flèches. Je sais pas pourquoi. Je me déplace avec, pas avec GPHD. Avec les gueules. Enfin bref. Alors j'espère que le son est bon parce que j'ai pas fait de test. Alors j'espère que c'est pas trop mauvais. Normalement ça va. J'espère. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, et aussi d'essayer, par la même occasion, d'améliorer notre production. Hein, parce que là, vous voyez, bon, améliorer notre production, ça servirait peu ou pas, parce que vous voyez qu'on est déjà en surproduction de fer, on est en léger, enfin... Oh, le charbon, ça commence à être juste. Mais est-ce que dans... Non, ça va, je pense. Niveau électrique, ça va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter notre électricité. Ça, par contre, il faut qu'on le fasse. Alors, on fait 2, on fait 1, et on fait 1. Voilà. Donc, on va attendre que toutes les chaudières soient faites. Et on pourra améliorer notre système électrique. Ce sera nettement plus appréciable. Donc, vous voyez que sur cette planète, quand même, contrairement à la Terre, on est relativement écolo. Je dis relativement écolo et puis là on voit toute la production. Ah tiens, j'ai fini automatisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va faire quoi. Essayer de faire chimie, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais de toute façon, il faudra la faire, donc on fait ça. Allez, hop, je vais demander. Attendez, je vais demander des potions. Des potions, voilà. Donc, splutch, on va mettre une chaudière, une pompe. Deux chaudières. Et, d'accord, ok, faut que je décale tout d'un, forcément, sinon c'est pas drôle. Donc, on recommence. On recommence, on met une pompe. Deux chaudières. On met un moteur. Si c'était pas bon la technologie. J'ai des bras, donc ne vous inquiétez pas, ça canard, c'est pas très grave. J'espère que quand même. Vous voyez, ça a quand même. Ça a déjà du mal. Et ça a déjà du mal. Bon, ils ne sont pas séparés en deux, bizarrement. Bizarre. Vous voyez, ils sont 6 là. Et à 6, vous voyez, j'ai déjà du mal. Alors je peux vous dire que ça va. Ça va être chaud. Pour continuer. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais faire ça. Splutch, splutch. Ensuite, on met les tapis. Si j'y arrive... Oh! Alléluia! Ok, donc là, on a un circuit électrique qui marche. Si c'était pas beau, ça.
Tout, 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 tout. Donc le circuit électrique, enfin le réseau électrique, c'est bon. Développer un peu de recherche, donc c'est en cours. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? La sécurité, oui, c'est ça, c'est la sécurité. Donc du coup, la sécurité, bon bah on va attendre. Déjà. Vous voyez, il me faut des potions vertes en fait. Hein. Il faut des potions vertes. J'ai assez de potions rouges, mais il faut attendre que les potions vertes arrivent. Donc là, j'en ai combien? 10, 20. Donc il m'en faut 40. Attendez. Chimie. Ouais, 40, c'est ça. Donc il m'en faut encore. Attendez. 10, 20. 30, 40. Ok. Donc en attendant que tout ça se craft. Oui, au niveau charbon, on est bon. Charbon, bon, ça rime. Ouais, ben, merci, c'était moisi. Faut que je me trouve un métier. On va hop, ramasser tout ce qui est fer, comme ça nous fera du... Bon, en fait, on va peut-être arrêter la production de fer, parce que je commence vraiment à en avoir beaucoup, en fait. Ah, le cuivre, merde! Je n'y pensais, en fait. Mais merde, il faut du cuivre! Parce que vous voyez, on a des tonnes de fer, on en a vraiment plein. Par contre, merde, le cuivre, là, c'est pas top, là. Là, niveau productivité, on n'est pas très bon, hein. Là, c'est un peu la merde, hein. Va falloir augmenter la production de cuivre. Alors, la production de cuivre, comment on fait? C'est très, très simple. Nous faisons une foreuse. Splutch. Et c'est tout. Bah, ouais, c'est tout, ouais. Si on met un brasier, comme ça. Attendez, j'ai dit... Comme ça. Oh, vous inquiétez pas. Non, pas le lampadaire. Ça. Voilà. Oh, c'est que t'es intelligent, toi. Et normalement, c'est bon. Je mettrai la foreuse ici. Et puis, ce sera bon. Ça déposera... Enfin, ce qui sera déposé à la foreuse... Ce sera mis par terre, sauf que le bras le récupérera, le mettra dans le four et j'aurai plus de productivité. Yahoo! It's on me, Mario. Bref. Cet intermède est empilé. Je vais mettre les quelques potions que j'ai ici. Vous voyez, là, ça commence. Là, ça va. Parce qu'ils étaient logiquement séparés en deux parce que je n'en vois que... ils sont relais... Ah non, en fait, non, non. D'accord. Non, non, mais... Là, par contre, au niveau munitions, on n'est pas top. Donc, je vais recommander plein de munitions. On va faire un peu le plein. On va en mettre 10 partout. On va en mettre 10 partout. Parce que... Niveau munitions, on n'est pas top. Ouais, que ça ne me repasse pas dans... Je crois que c'est dans l'un des épisodes... Où j'avais été pris par surprise au niveau des munitions, je crois que c'est dans un des épisodes. Donc là il y en a 11 et là il y en a 10. Ok, impeccable. Je sais plus si c'est dans une partie perso ou dans la série, je ne sais plus. En tout cas, on est déjà à 9 minutes de vidéo, ça passe vite. On a déjà bouffé les deux tiers et on a rien foutu. Il faudrait que j'essaye d'être un peu. Comment on dit déjà? Comment ils disent les gens normaux? Productif. Ah oui, c'est ça. Ils disent que je suis pas productif, les gens, je sais pas. Je comprends pas pourquoi, bizarrement. Je sais même pas ce que c'est, la productivité. Ils appellent ça la productivité, si je me trompe pas. Enfin bon, voilà. Je suis très bien hein, sans la productivité. Hop, 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 pour désengorger un peu au niveau charbonique. Voilà. Là, non, mais le niveau ressources, on commence à être pas mal. On commence à être pas mal. Ah, un carré s'est formé. Alléluia. Ah là là. Tout, 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 tout. Bizarrement, le jeu a l'air de moi. Enfin, vas-y. C'est qu'une intuition. J'aimerais en fait désengorger un peu le truc qui permet de déplacer les items. Attendez, j'ai perdu le mot. Attendez, ragez pas. Criez pas derrière votre écran. Je vais savoir.
Non, c'est pas les tuyaux, c'est... Tapis! Trop fort. C'est tapis. C'est ça, c'est tapis le mot. C'est bon, j'ai trouvé. On va essayer de fluidifier l'accès. Oula. 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 D'accord. Il y a eu un freeze, désolé. Moi-même, j'ai pas compris. J'ai pas très bien compris, mais après, je sais pas. Ah oui, quand même, 62. Mais comme ça, parfaitement de là. Ah oui, mais c'est... On dit, tout est parfaitement contrôlé. Bon, bah, s'il vous plaît. Tiens, tu mets ça. Toi. Ça canarde, ça canarde, ça canarde. Impeccable. À la fin... je tiens à dire que quand cette série sera finie, ou une autre, enfin, il y a forcément un moment donné où l'une des séries sera terminée. Je sais pas quelle autre série faire. Alors, j'ai deux jeux... qui m'intéresse, hein, qui me plaisent énormément, sauf qu'en fait je sais pas trop si on peut faire des let's play ou des aventures suivies dessus, et j'aimerais bien, oula par contre le niveau charbon commence à être en pénurie, fioup, contractif. Je me demandais, est-ce que ce serait possible, avec votre avis, avec votre humble avis, vous voyez, de savoir, alors, de me proposer un jeu comme ça qui vous plaît et qui pourrait être fait en let's play. Je verrai, hein, je verrai si, bon, bah, déjà si moi ça me plaît, parce que si je propose un contenu qui me plaît pas, ça sert à rien. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un jeu, un nom de jeu, que je pourrais voir, que je pourrais lire, du coup, et voir si ça me plairait, si ça me plairait pas. Parce que, j'ai deux jeux, sauf que le nom, les deux jeux sont Cube. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu en fait au graphisme Minecraftien, sauf que c'est tout épuré, effectivement, c'est tout bien épuré et tout ça. Et en fait, c'est un jeu de réflexion. Donc, je ne sais pas si ça intéresserait du monde. Mais bon, je demande. Hein, si vous ne connaissez pas, vous tapez Cube sur Internet, cube.u.b.e, voilà, Cube. Un jeu que dont je viens de faire l'acquisition il y a deux jours, qui est vraiment un magnifique jeu, enfin magnifique, un super beau jeu. Et l'autre jeu, j'ai oublié le nom. Décidément, j'ai des trous de mémoire aujourd'hui. Truc avec les camions, là, merde. Je vais trouver. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver. Je ne sais pas comment, mais je vais trouver. Ah, merde. Je sais qu'il y a des aventures suivies sur ce jeu, mais je sais pas. Je sais plus quel jeu. J'ai des trous de mémoire aujourd'hui. Il va falloir que je révise un peu. Parce que, là, j'ai un problème de mémoire. Là, va peut-être falloir que je revoie mon psy. Il va... Oh, merde. Oh, je sais plus. Oh, attendez, ça, je suis embêté. Bon, en attendant, je fais rien. Je suis pas productif, mais... Ouais, ça m'emmerde, ça. Le jeu, c'est... C'est un jeu de simulation, de camion, de transport. C'est... Euro Truck Simulator 2. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Ou Euro Truck Simulator 2, voilà. Donc, ce sont deux jeux que j'apprécie. Donc, du coup, voilà. Mais si vous avez d'autres propositions de jeux, n'hésitez pas. Et en fait, je viens de voir qu'on est bientôt à la fin de l'épisode et j'ai rien glandé. Si, j'ai augmenté la production. Ah, oui. J'aurais augmenté un petit peu l'électricité et la production. C'est pas mal. Oui, j'ai augmenté la production de charbon. Regardez, j'ai mis en place une foreuse. Et puis, on aura avancé sur la recherche un peu chimie. Et donc, on aura quand même servi à quelque chose dans cet épisode. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 5. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!